Un beau bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de faire cette nouvelle capsule. C'est la première capsule que je fais sur ce sujet. J'ai été appelée ce matin à faire une écriture automatique. Donc voilà, c'est une première et c'est mon devoir de partager les messages que j'ai reçus de différents défunts. Donc, je me suis protégée, évidemment, pour recevoir ces messages, et puis j'ai prêté mon bras, ma main, hein, pour à ces défunts, pour pouvoir écrire leurs messages. J'ai reçu quatre messages de défunts différents. C'est très, dont le dernier qui est très très émouvant. Alors ça va parler peut-être à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Et tout ça, c'est selon le prénom des défunts qui sont venus à moi. Voilà, mais c'est je trouve que il faut que je le partage parce que ils sont venus à moi délivrer un message. Le premier message que j'ai reçu, c'est de Nadine. Oui, je suis Nadine. Je vais bien. Je regrette d'avoir fait tant de mal. Je demande pardon. Je suis désolée pour le mal que j'ai fait. Voilà. Merci Nadine pour ton message. Et comme j'ai dit à la fin du message, rentre bien dans cette belle lumière d'amour. Oui, Jérémy, je suis rentrée dans la lumière. Je suis bien. Je vous aime. Merci Jérémy, à Jérémy, n'est-ce pas, d'être venu et d'avoir délivré son message. Le troisième message du défunt, Robert. Robert, je ne veux plus que ma femme Henriette pleure. Je suis bien. J'ai retrouvé mon oncle. Eh bien, merci à Robert d'être venu nous délivrer son message. Et le dernier dont j'ai été très émue et je le suis encore, Franz. Oui, Franz, je ne suis pas à ma place. Je suis triste d'être décédée. Voilà, ça c'est un défunt qui n'accepte pas de ne plus être sur Terre et qui a beaucoup, beaucoup de mal dans le céleste, et je pense qu'il est dans le bas astral, puisque il n'accepte pas d'être décédé, donc il n'arrive pas à trouver cette paix. Et si vous le voulez bien, nous allons l'aider par des prières à monter. Donc je vous demanderai
à toutes les personnes qui vont écouter cette capsule, et bien de faire une prière à Franz pour qu'il puisse trouver cette paix intérieure, parce que là, il est en souffrance. Je vais même dire qu'il est en grande souffrance. Donc, si vous le voulez bien, nous allons faire une prière pour lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie toutes et tous pour Franz, et puis remercions les défunts qui sont venus à moi. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai 2022. Je vous remercie de votre écoute et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.